bonjour à tous et bienvenue sur le labo des réseaux pour ce nouveau tuto aujourd'hui on va s'attaquer à instagram et on va apprendre à utiliser le nouveau sticker quiz questionnaire en français qui va nous permettre d'interagir avec notre communauté allez c'est parti je vous montre ça alors on va lancer instagram et on va tout de suite aller dans les stories on va prendre une photo au pif voilà et comment on fait pour débloquer donc les stickers quiz en fait, il va falloir cliquer en haut au milieu. Et ça se situe entre le curseur à emoji et la température. C'est ici. Quiz. Alors, vous pouvez déjà le personnaliser au niveau de la couleur en cliquant en haut. Voilà, vous sélectionnez la couleur qui vous va bien. C'est-à-dire que nous, on va prendre le rouge. Elle est très sympathique. Sur les dés, vous avez des questions qui sont déjà posées. Alors, des fois, c'est en anglais, donc, il va falloir cliquer. Mais voilà, par exemple, là, j'en ai un en français. Là, c'est en anglais. C'est en anglais. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux Voilà, on va faire notre quiz à partir de là. Donc on va dire chocolat, euh, gâteau. On peut ajouter jusqu'à 4 possibilités. Donc là, on va mettre le coca. Et en dernier, on va mettre l'orangina. Donc la bonne réponse, c'est le gâteau. Nous, on va dire que la bonne réponse est plutôt le coca. Voilà. Donc on va cliquer sur le coca et <laughs> ce sera la bonne réponse. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Terminer. Vous pouvez donc prendre avec votre doigt, le, le bouger. Vous en faites ce que vous voulez de votre questionnaire. Et une fois que c'est validé, que c'est bon pour vous, eh bien, on va cliquer sur Envoyer et on va simplement partager dans notre story. Et voilà comment ça se passe pour mettre un questionnaire, pour pouvoir interagir avec vos abonnés. Comment ça se montre Donc, on va cliquer sur Coca. Félicitations, on avait la bonne réponse. C'était plutôt simple puisqu'on vient de faire le questionnaire. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile et que maintenant vous allez pouvoir faire des quiz encore plus sympathiques que les miens. Vous avez le droit à 4 réponses, ce qui peut être aussi euh, une petite alternative au sondage qui ne proposait que 2 réponses. Maintenant, c'est à vous euh, et à votre créativité de faire le reste du travail. Moi, je vous dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour de nouveaux tutos. Allez, ciao